Bonsoir à tous. Je vais vous dire un tout petit mot, puisque dans votre programme, vous n'avez pas le détail de la suite de Rachmaninov. Comme vous avez pu l'entendre, ces deux valses de Tchaïkovski ne sont pas à proprement parler des transcriptions exactes. D'ailleurs, dans la valse des fleurs, Victor Babine change carrément la tonalité. À la fin du lac des cygnes, il se permet une petite citation de Chopin. Ça tient plutôt de la paraphrase qui était très populaire à la fin du 19e, au début du 20e siècle, pour les pianistes virtuoses et le public friand de ce genre de choses. Victor Babine et Vitya Vronsky étaient l'un des plus grands duos de piano du 20e siècle. Ils ont émigré d'Ukraine, de Russie, en Allemagne, puis aux États-Unis, où ils ont fait une immense carrière, où ils sont devenus très amis avec Rachmaninov. Babine a d'ailleurs transcrit plusieurs mélodies de Rachmaninov. Rachmaninov, lui, son idole, c'était Tchaïkovski. D'ailleurs, lorsque très très jeune, encore étudiant, il est appelé soudainement par son cousin Zilotti pour transcrire La Belle au bois dormant, parce que Tchaïkovski l'a demandé, alors là, il est dans tous ses états. Il écrit une version entière du ballet pour quatre mains. Tchaïkovski n'était pas du tout content. Il a dit, bah, si c'est pour faire la même chose que moi, ça n'a pas d'intérêt. Bon. Ça n'a pas découragé le jeune Rachmaninov qui, quelques années plus tard, à 20 ans à peine, écrit cette première suite pour deux pianos dédiée à Piotr Ilitch Tchaïkovski. Oui. J'y viens. La suite est donc en quatre mouvements, inspirée par plusieurs poèmes de poètes différents, Lord Byron, Lermontov, Tchitchoev. Le premier mouvement, c'est Barcarolle. Le deuxième mouvement, La nuit, l'amour. Le troisième, Larmes. Et pour terminer, Pâques. Vous allez, pour ceux qui sont déjà allés à Moscou notamment, vous allez entendre toutes les cloches de la ville sonner en même temps pour fêter Pâques.
ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Ludmila, par exemple, elle aurait voulu être chirurgien. Ah, voilà, elle est prête. Je retrouve pianiste. Et George Gershwin, peut-être que vous ne le savez pas tous, mais Gershwin, son rêve, c'était d'être compositeur de musique savante. Vous connaissez, bon, certains d'entre vous connaissent déjà l'anecdote, bien sûr. Il est allé voir Ravel, et il voulait prendre des cours avec lui, et Ravel l'a gentiment refusé en lui disant « Mais pourquoi devenir un Ravel de seconde classe alors que vous êtes un Gershwin de première classe ?» Et d'ailleurs, cette paraphrase sur The Man I Love, c'est écrit par un de ses amis, un de ses grands amis, Gregory Stone, et on voit que c'est un peu dans, c'est un peu jazz, mais c'est un peu musique classique aussi. Vous verrez tout à l'heure que sur sa chanson I Got Rhythm, il a composé des variations avec orchestre, puis qu'il a arrangé pour deux pianos, avec cette ambition d'être reconnu comme un compositeur de musique savante. À l'inverse, on a un pianiste soviétique dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, Alexander Tsvasman, à ne pas confondre avec Alexander Tansman, pas le même compositeur. Et Tsvasman, lui, c'est l'inverse. Il a été formé par les meilleurs professeurs au conservatoire de Moscou, Blumenfeld, et lui, son rêve, c'était de faire du jazz. Et il y est parvenu en devenant le premier interprète de la Rhapsody in Blue à Moscou et le fondateur du premier ensemble de jazz soviétique. Et c'était un immense, immense fan de Gershwin. Gershwin, lui, n'a jamais entendu parler de Tsvasman. Le rideau de fer, c'est bien connu, c'était que dans un sens. Et voici donc une série de pièces de Tsvasman qui commence par cette fantaisie imaginée sur le thème de Man I Love par Tsvasman. Thank you.
J'espère que la musique de Strasman vous a plu. Je le savais. Est-ce que vous avez entendu la valse lyrique et les flocons de neige en 1945 ? C'est d'ailleurs à cette époque-là, puisque vous me posez la question, qu'il a envoyé quelques pièces de clarinette à Benny Goodman. Celui-ci est tombé par terre, il a dit « Génial, je veux travailler avec ce compositeur, ouais. » Et puis là, on lui a dit « Ah non, avec les soviétiques, jamais. » Et ça s'est arrêté là. Et nous, on va continuer, toujours avec vous. C'est le titre de la pièce.
Donc, c'est Ludmilla qui a décidé. Et il s'agit de la mélodie d'un film extrêmement célèbre, mais que vous ne connaissez pas. Parce que c'est un film des années 30-40 en Union soviétique, qui s'appelle Le Cœur des Quatre. Et le compositeur de cette musique est... quel est son prénom? Oui, Miloutin, mais son prénom. Alexei. Je ne sais plus. C'est honte à moi, honte. Miloutin, Le Cœur des Quatre. Thank you.
Il faut que je fasse tout. Mais je ne sais pas si c'est nécessaire d'annoncer, à vrai dire. Ma mère Loi, l'aileronnette, impératrice des pagodes. Ravel.